that should've known that this music is strong. Gonna text my phone, bitch, leave me alone. Let go, cause I'm never coming home. Get a new... Yo, salut les gars, c'est Globox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les potes. Aujourd'hui, on se retrouve en domination hardcore. Comme vous avez pu constater, on vient tout juste d'arriver dans la partie. On se fait défoncer niveau capture. Je pense que les ennemis étaient à 100 et nous autres, on était seulement à 63. Et vous allez voir qu'on va revenir dans la partie très facilement et très rapidement. Au passage, j'aurais pu taper la nucléaire. Je parle bien sûr de la nucléaire V2, la roquette V2. C'est dommage, j'étais en série de 21. En plus, ça aurait été magnifique parce que la série a été rapidement faite. Vous verrez bien, là, je vais mourir quelques fois. Je pense que je vais mourir, voilà, je vais mourir là et ce sera fini. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira les gars. On est en domination hardcore comme je vous l'ai dit. Alors pourquoi ce mode de jeu? Tout simplement parce que je joue avec Croque Madame. Et Croque Madame il adore ce mode de jeu. Et voilà, je joue avec tous mes potes. Et c'est eux qui décident un peu du mode de jeu. Moi je m'en fous un peu, tant que je joue, tant que je prends du plaisir, c'est le principal. Et vous savez que je suis assez polyvalent. Donc voilà, je joue avec l'arme qui s'appelle, je pense, la Crazy Gun. Une arme que j'apprécie quand même beaucoup, qui est un peu sous-cotée. Une arme qui mérite d'être plus jouée qu'autre chose. C'est une arme voilà, qui a très très peu de cadence de tir, donc moi je vous conseillerais de mettre tir rapide quand même, sinon c'est pas vraiment tip top comme arme. Donc mettez tir rapide, moi j'ai mis chargeur de grande capacité, j'ai mis une poignée pour viser plus rapidement et j'ai également mis rayure avancée. Bon, en hardcore ça ne sert pas à grand chose, mais comme je vous l'ai dit, je savais pas vraiment que Croc allait lancer du hardcore et dans la partie de toute façon. De toute façon, on est en hardcore les gars, tu mets 2 balles, l'ennemi il meurt. Donc forcément, c'est pas non plus très important les accessoires. Sauf bien sûr, la poignée qui te permet de viser plus rapidement. Bref, les potes, dans la partie, on était en groupe de 3 avec Croque Madame et Speedtech. Je vous fais une énorme dédicace. Je voulais vous parler vite fait de la dernière vidéo qui vous a énormément plu. Ça me fait vraiment plaisir, je crois qu'il y a plus de 150 pouces verts. Pas loin de 500 vues. Malheureusement, ben, les vues sont pas tip top, mais écoutez, c'est pas du jour au lendemain que je vais récupérer les vues. J'en ai discuté avec Gronny qui a beaucoup plus d'expérience que moi sur YouTube. Voilà, YouTube a beaucoup changé par rapport à la dernière fois que j'y étais. Ça fait plus d'un an que je faisais plus de vidéos. Mes vidéos ne marchaient pas non plus. Elles faisaient quand même pas mal de vues, vous pouvez aller voir. Hein. Mais voilà, c'est vrai que je faisais encore plus de vues alors que je proposais du MW3 sur ma chaîne. Je proposais des petites mobs, ça faisait 1500, 2000 vues. Après voilà, je sais pas si vous voulez que je vous refasse des vidéos sur MW3. De toute façon, je compte retourner sur PS3 tout simplement parce qu'il y a mon pote Strom Design HD, je pense que vous le connaissez. Strom, c'est la personne qui a réalisé mon intro, qui réalise la plupart de mes logos. Et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Et malheureusement, il n'a pas les moyens d'acheter une PS4. Donc je vais essayer d'acheter une PS3 pour jouer avec lui et pourquoi pas vous enregistrer des lives. Mais voilà, il y aura beaucoup moins de vidéos sur MW3 parce que pour le moment, c'est bien sûr World at War 2 qui m'intéresse le plus et je prends énormément de plaisir à y jouer malgré tous les bugs. Donc voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez voir aussi du Black Ops 2 ou alors ça dépend parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore lâché Black Ops 3, qui n'ont pas encore lâché Infinity, Hardware. Enfin voilà, je sais pas, dites-moi dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir quel genre de Call of Duty vous voulez voir sur ma chaîne. Donc voilà, est-ce que j'ai encore d'autres gameplays à vous présenter? Écoutez, pour le moment, j'ai pas vraiment grand chose à vous présenter. Je joue beaucoup au sniper. Le sniper, c'est pas facile à jouer. Voilà. J'ai pas rentré tout le temps des gameplays avec le sniper. Ma dernière vidéo, voilà, c'était une Rocket V2 au sniper. J'ai trouvé que le gameplay était assez joli. Donc, si vous l'avez loupé, n'hésitez pas à aller voir ça. Franchement, un joli gameplay. Qu'est-ce que je vais vous proposer prochainement? Écoutez, je suis un peu en galère de vidéo parce que des clips au snipe j'en ai quand même pas mal, des clips à l'arme aussi, mais voilà, un montage j'en prévois un bien sûr, mais pas pour le moment, je vous ferai ça plus tard les gars. Qu'est-ce que j'avais dit que je vous présenterai aussi? Voilà, je vous ferai une petite vidéo aussi de l'arc. Regardez au passage un gros fifou qui essaye de faire un petit bug.
de faire un petit glitch. Je vous ferai peut-être une vidéo où je débloque, enfin, où j'ouvre des largages de ravitaillement. J'ai plus de 70, donc peut-être que je vais le faire, ou peut-être plus tard quand j'en aurai 100. Bref, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Globox. Bye bye tout le monde.